très heureux d'avoir participé à cette rencontre avec la compagnie Kasutri. Très belle initiative. Je pense qu'il y a du travail qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire par des jeunes danseurs, chorégraphes, des comédiens, des metteurs en scène. Et je pense que ces actions-là sont vraiment à encourager. Je tiens vraiment à appeler, interpeller tous ces jeunes pour dire cette culture, cette danse traditionnelle africaine, ivoirienne et d'autres pays d'Afrique. C'est important de venir apprendre, de venir avancer avec cette danse ivoirienne traditionnelle et d'autres pays d'Afrique. C'est important parce qu'avec ça, on peut aller loin, on peut aller partout. Donc je suis ravie d'avoir fait le stage et je suis ravie d'avoir finalisé le travail de 15 jours parce que nous avons porté le spectacle pendant 15 jours. Donc nous sommes heureux de l'avoir présenté et ça restera vraiment un très enrichissant et un très très bon souvenir de mon stage en Côte d'Ivoire. Le message que nous voulons véhiculer, c'est de dire à tout artiste de ne jamais oublier sa tradition. C'est vrai, nous sommes dans le modernisme, mais nous ne devons pas oublier notre tradition. Merci à M. Bama de nous avoir invités à ce festival. En tout cas, c'était important pour nous et la compagnie Miemo, parce que depuis, on fait les animations à gauche, à droite, mais un festival comme ça, on n'a jamais joué.